par le passé, quand même, le cacao en Guadeloupe avait atteint jusqu'à 500 tonnes. Ici, on est sur des volumes beaucoup plus faibles et ce qu'on espère, c'est une centaine de tonnes pour approvisionner le marché local. Sur Haïti, en fait, par contre, là, il y a un potentiel beaucoup plus important. C'est un pays producteur de cacao qui n'a jamais arrêté, mais on peut aller sur des volumes beaucoup plus importants, donc on peut espérer de l'ordre de 5000 tonnes. On est ici pour essayer d'organiser la filière cacao en Guadeloupe, à Guadeloupe et Haïti, puisque le projet Interreg travaille sur la Guadeloupe et Haïti. Alors c'est des problématiques très différentes, hein, sachant qu'en Guadeloupe, l'idée c'est d'essayer de faire un cacao d'excellence. Déjà la superficie est plus petite et donc c'est d'essayer de retrouver les types de cacao anciens qui peuvent être à l'origine de qualité supérieure. Donc on va essayer de faire ça, donc de trouver notamment des cacaoyers avec des jeunes criollos pour essayer de faire un cacao aromatique. L'idée du projet, c'est quand même de pouvoir utiliser localement les fèves de cacao, donc éventuellement pour approvisionner les chocolatiers de Guadeloupe qui peuvent se fournir effectivement avec du cacao guadeloupéen, mais aussi avec du cacao d'Haïti.